Ah mon dieu, rien que le menu fait peur. Oula, Windows Borderless, langage, anglais, spanish, faut quand même mettre les sous-titres. Hein. FOV, on va mettre à fond. Graphique baisse, 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 motion blur, tout dégage. Ça, tout dégage aussi, V-Sync. Ah. Allez, c'est l'heure de faire du Poppy Playtime. Ouh putain, ça fait déjà peur le menu. Tight Squeeze, en tant qu'ancien employé de Poppy Playtime Co, vous retournez finalement dans l'usine après des années. Quand tout le monde a disparu? Ok. You are about to see the most incredible doll ever invented. Her name is Poppy, and she is the first truly intelligent doll in the world. A little girl can talk to her. Poppy gives her answers. She is the first doll actually able to have a conversation with a child. Hard to believe? Just watch. Poppy's as lovable as a real girl, and she talks like one, too. Hi, my name is Poppy. I love you. Can you help me polish my shoes? Why, of course, Poppy. Just like a real girl, Poppy always wants to look her best. Perfect. Thank you. Her hair is sturdy and won't come out when you brush it, and smells just like a poppy flower. Is there anything else you'd like to say, Poppy? I'm a real girl. Just like you. What's the time? Playtime! And if you've ever wanted to see how all of the nation's favorite toys were created, Playtime Co. is now offering factory tours at just $2.99 a person. An entire hour in the most magical toy factory on Earth. What are you waiting for? Come visit the factory. We can't... Tout le monde pense que les équipes ont disparu il y a 10 ans. Nous sommes toujours ici, trouver la fleur. Ouais, mort de rire, le marchand de glace qui est en train de passer à ce moment-là, quoi. Bon. Oula, ça tourne comme un cul, ce jeu. Attends, j'ai muté le temps que le marchand de glace passe. Je suis gouré sur les FOV ou quoi là? Bon, déjà le jeu, s'il te plaît, respecte-moi. 4, 2K. Ah, bah, non, d'accord, il m'a rien mis en fait. Il y avait un truc, il fallait cliquer sur Apply. Ah, peut-être là. Ah, c'est vachement mieux. Ah. Hi, my name is Leif Pierre, and I'm the head of innovation here at the Playtime Co. Toy Factory. If you're seeing this, then you're trespassing. Yeah, we play this little tape on loop whenever we close the factory for the day. So, trespasser, just to make you aware, while we pride ourselves primarily on our high-quality toys and excellent childcare, we also pride ourselves on our security. For example, this facility is full of hidden motion triggers, which, once set off, we'll turn on the factory's emergency alarms and directly contact the authorities.
And that's one of the more tame aspects of our security system. No spoilers. So, you've got my warning. It's not too late to turn around. I just hope that you're certain whatever you're doing is worth it. Ok, donc en gros, c'était une mise en garde. Comme quoi on est entré sans autorisation et qu'apparemment il y a des systèmes de sécurité un petit peu partout dans l'usine et que basiquement... Oh bordel. Que basiquement, s'ils s'activent tous, ça va appeler la sécurité, enfin ça va contacter... Rouge, bleu, jaune, blanc. Non. T'inquiète pas Ruby, j'ai vu que t'avais follow. Ça me l'a marqué. Je suis pas rassuré. On cherche quoi là, vas-y. Wow, la physique du jeu là. Où est-ce qu'on peut trouver le code? Rose, rouge, jaune, rose, vert. Rouge, jaune, rose, vert. Alors du coup, on va devenir un jouet dans le jeu. Rouge, jaune, rose, vert. Oui. Playtime. Le grab pack. Ah non, on n'est pas un jouet, on a juste des trucs. Ah. Serrez les sangles. Tenez tenez les deux canons. Tirez sur sur fire pour enfin sur tirer pour pouvoir. Ok. Tirez encore pour extracter. Seulement des objets, des petits objets peut-être tenus. Ne tirez pas sur vos. Alors les fusils sont conducteurs. Attends, on n'a pas le... C'est pas ici qu'il faut aller ? On n'a pas le deuxième bras ? Pas mal de... pour faire revenir les objets vers nous. Qu'est-ce que je dois faire exactement là? Je doute que je dois sauter là. Hop. Quoi? Ah, je vais dire. Chacun a employé. Ok. Hé
j'ai une clé. T'avises pas de revenir à la vie, toi. À quoi sert cette clé? Oh là là, on voit rien! Porte. Peut-être là-bas, Power, hein. Ah, il est sombre le jeu. Je vais peut-être augmenter un petit peu la luminosité parce que je vois rien du tout. On peut augmenter la luminosité au moins. Voilà, un petit peu. Oh. Ouais, c'est vachement mieux. Alors. Ok, de réfléchir, ça ouais, c'est totalement mon type de jeu. Je rigole. Grab the power. Touch the wire to power. Easy. Quoi de bruit? Maman? Ça a pas marché, on est d'accord? Si? Il est où? Tout ce que j'aime. Ah, elle a eu la cassette. C'est ça. Ah d'accord, on doit trouver les batteries pour... Alors, où est-ce que je peux trouver une petite batterie? C'est bien d'avoir des... Ok, j'ai toutes les batteries là, je crois. Comment on remonte? Par la Bex! Par contre, ça m'explique pas où se trouve la cassette. Et quelqu'un sait où est la cassette par hasard? J'aimerais bien savoir. C'est un petit peu angoissant.
Yes! Give me the second hand! On a deux mains, bébé. On a deux mains maintenant, bébé. Donc, ça marche comment? Je fais ça, puis je fais ça. Bon. Regarde cette pièce pour la cassette. Cassette, dis-moi où t'es. Cassette, dis-moi où t'es. Je vois nulle part, hein. Merci, Vie. Oh. Une étagère. Blablabla. Ah, je sais pas, hein. Grab. Hein? Grab, complice de circuit. Puppet Playtime, il dure combien de temps? Je me suis jamais posé la question, mais je crois qu'il est pas spécialement long, hein. Ouais, effectivement, je vais pas très long. Alors, personne ne quitte sans avoir son jouet. Mmh. Un jouet. Ah, c'est pas demandé. Ah mon dieu. Ah, je l'ai vu sur internet, ça. Pour mettre le courant. Ça, c'est le jeu. Ah merde, trompé.
déjà pré-shoté un truc, de façon. Ça. Ah non, je peux pas. Putain, je suis bloqué. Tu dois le faire comment ? Ah, ben voilà. Annie, qu'elle m'aurait dû incendier si elle me voyait en train de jouer à ça. Ah, bordel! Oh, le sens! Le bon sens, là! Sérieux? Y'a quoi qui change, là? Ah, effectivement, j'avais oublié qu'on était une vraie personne. On a activé. Ouais, exactement, là. Hein ? On a réactivé l'usine. Ah, non, ça va. Je veux mon jouet. C'est quoi là? Oh mon dieu! Oh mon dieu! La machine me regarde! Ils auraient pu le faire plus vite, hein! Mon jouet, mon jouet, mon jouet, ouais! Tu peux le jouer, oui. Ouais, alors. Non, mes souvenirs, il apparaît qu'à partir de là, le méchant. Oh mon dieu!
Oh putain, je l'entends, il est juste derrière moi! Vite! Ah bah je suis baisé. Non! Innovation est la clé! Ouais ouais, ta gueule. Merci à la science. Ouais. Et Vite, vite, vite. Allez, je vais arriver. Concentration. Bon, ici, danger. Toujours aller là où il y a du danger. Ici, on descend. Voilà, toujours tout droit, 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 toujours tout droit. On descend ici. Voilà, parfait. On va à droite. Hop. Donc là, je regarde partout là, parce que c'est ici que je me suis fait avoir comme un bleu. Merde, à ce côté. À droite. Ah. Quoi? Non. Dépêche-toi, gros. Hey, salut. Oh, il saigne. Attendez, vous êtes en train de me dire que ce jeu, à l'époque, ils l'ont vendu 8 balles? Et on est à la fin de l'épisode 1 en même pas de 30 minutes? €8 les 30 minutes? Mais c'est cher! Ah, je déteste être poursuivi dans des couloirs, moi. Oh là là. Final log. In relation. Experiment 1006. The prototype. Coordination and cooperation is evidently within his skill set, as well as the skill set of all other experiments of his type. Though still missing, today's events are no doubt in relation to him. His absence was a flaw in the scientific process, which should have under no circumstances been left unaccounted for. That's why I'm making this log. So that the same mistake won't be made twice. Any future experiments will need to be contained and disposed of in a secure location. I'm not worried about myself. One breakthrough and I'll be back. We must forge onwards in the name of science. Whether those who are beneath us understand it or not. End of... Damn, mais c'est court. No, stop, run, go back, danger. Let's go. Moi j'y vais, je suis chaud. Oh là là. Waouh, eh ben dis donc,
Ça a été court. Tu m'étonnes que le premier épisode ait pas su free-to-play. Ouais. What? C'est pas passé? Kiri. Hey, Space Nest, merci pour ton abonnement. Quand j'appuie sur échappe, il me... C'est comme s'il me mettait le menu par derrière, en fait. Bon, de toute façon, les crédits doivent pas être super bien longs, hein. Ouais, je me doutais. C'est un petit projet, hein. Kiri. Et voilà, ça file des subs. Y'a rien à la fin, rassurez-moi. Y'a pas un screamer qui va apparaître ou une connerie en genre. Ouais. Ah non, y'a rien, d'accord. Bon, cet épisode 1 était pas ouf, hein. Vraiment pas ouf. J'espère que le 2 sera mieux, hein.